je lance cet avion dans l'air, je m'aperçois qu'il a tendance à piquer du nez. Cet avion a tendance à piquer du nez. Il a une forte tendance à piquer du nez. Non ? Dans ce cas précis, pourquoi ? Eh bien, la force de pesanteur le tire vers le bas, la force de portance le tire vers le haut. Mais depuis quel point de l'avion ? La force de pesanteur tire notre avion vers le bas depuis le milieu de l'avion, depuis le centre de gravité. Le centre de gravité ici se trouve au milieu, étant donné que le pliage était symétrique. Mais la force de portance, elle s'applique sur l'aile. Et mon aile se trouve à l'arrière de l'avion. Elle s'applique donc à l'arrière de l'avion. Elle tire mon avion, elle pousse mon avion vers le haut. Et si elle tire l'avion vers le haut depuis l'arrière, pendant qu'il est tiré vers le bas par la force de gravité depuis le milieu, l'effet combiné des deux forces fait que mon avion va piquer du nez. Pour que l'avion vole droit, qu'aurait-il fallu obtenir que la force de portance ? Non, s'applique au milieu de l'avion, le plus près possible du point d'application de la force de gravité. Comme on ne peut pas éliminer physiquement la partie de l'aile de l'avion, sur un vrai avion, ça ne serait absolument pas raisonnable, eh bien, il faut s'arranger pour éliminer l'effet de la partie arrière de l'aile de l'avion. Pour éliminer l'effet de la partie arrière, il faut donc que l'air s'arrête de circuler dans la partie arrière, arrêter qu'il n'ait plus de vitesse. Pour arrêter l'air, comme pour arrêter n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Placer devant une barrière, un obstacle. C'est le meilleur moyen d'arrêter quoi que ce soit. Et c'est donc ce que l'on fait. On a donc installé, et ça vous pouvez l'observer sur tous les avions, nous avons des surfaces mobiles ici qui permettent de freiner l'air très fortement et même de l'arrêter éventuellement à l'arrière de l'aile. Ce qui fait que ça revient, si l'air ne circule plus ou très peu dans la partie arrière de l'aile, mais qu'il continue à circuler dans la partie centrale, eh bien ça revient à n'utiliser que la partie centrale de l'aile. Auquel cas, la force de portance créée par la circulation de l'air s'exerce depuis le milieu de l'avion. Et nous avons un avion qui vole de façon beaucoup plus stable. Alors, nous avons vu que sans ces volets, l'avion a tendance à piquer du nez. Si l'intention était d'atterrir, qui d'entre vous aurait accepté un atterrissage dans ces conditions ? Personne. Alors c'est pour ça que le pilote, en général, quand vous prenez un avion, il préfère utiliser les volets et vous permettre un atterrissage de ce genre qui quand même est nettement plus confortable et sûrement plus acceptable. C'est donc en jouant sur l'écoulement, les propriétés d'écoulement de l'air sur l'aile de l'avion, que l'on obtient le déplacement de la force de portance le long du fuselage de l'avion. Ici, ce que nous avons obtenu, c'est de la déplacer vers le centre, afin que l'avion vole de façon équilibrée. On pourrait aussi la déplacer plus en avant, afin d'obtenir que l'avion se cabre. Mais c'est en jouant sur l'écoulement de l'air sur l'aile, en modifiant ses propriétés, que l'on va pouvoir commencer à piloter un avion. Bien, merci. Ça m'intéresse en tout cas. Merci beaucoup de votre intérêt.